Bonjour mes loulous, aujourd'hui je vais vous montrer comment présenter vos bouteilles de champagne ou de vin avec des boules de glaçons et à l'intérieur il y aura des roses dedans. Cette astuce est vraiment originale si vous avez des occasions à présenter par exemple une lune de miel ou la Saint-Valentin. Et cette astuce est vraiment parfaite, franchement, et présentable pour la table. Allez, c'est parti pour la présentation, mes loulous. Alors, pour commencer, vous voyez, là, j'ai des ballons et là, j'ai des roses que j'ai récupérées dans mon jardin. Et si vous n'en avez pas, vous avez la possibilité d'en acheter. Voilà. Et là, par exemple, avec un ballon, je vais l'ouvrir à l'intérieur comme ça. Comme ça. Vous voyez bien? Et la rose, je vais le mettre à l'intérieur. Une fois que la rose est à l'intérieur comme ça, je vais procéder pour tous les ballons. Et après, je vais vous montrer qu'est-ce que je vais faire par la suite. Voilà, vous voyez maintenant, j'ai fini de mettre tous les roses à l'intérieur des ballons. Et là maintenant, je vais mettre un peu d'eau avec le robinet. Je vais le remplir, je vais vous montrer. Voilà, vous voyez là, j'ai mis de l'eau à l'intérieur avec la rose, comme ça. Je ne vous ai pas montré comment j'ai procédé, c'est très facile à réaliser. Vous mettez le bout comme ça au niveau de la bouche de votre robinet et vous rajoutez un peu d'eau dedans. Et maintenant, vous attachez. Voilà, comme ça. Vous voyez, et vous faites pareil pour tous les ballons comme ça. Voilà, vous voyez mes loulous, j'ai rempli tous les ballons avec de l'eau, comme je vous ai dit. Et maintenant, je vais les mettre au congélateur. Allez, c'est parti pour le résultat final. Voilà mes loulous. Ça y est, je les ai sortis du congélateur. Vous voyez? Et maintenant, je vais vous montrer le rendu que ça a fait. Avec une paire de ciseaux ou un couteau, je coupe les ballons. Vous voyez, voilà, et j'ai cette boule de glace qui va permettre de décorer. Je fais pareil pour vous. Voilà mes loulous, c'est ce que je souhaitais vous partager. Regardez-moi ça, le rendu final. Du coup, j'ai mis la bouteille de champagne. Vous voyez, c'est vraiment magnifique et très facile à réaliser. Si vous aimez la vidéo, surtout n'oubliez pas à me dire en commentaire l'astuce que je vous ai montré. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, surtout abonnez-vous, partagez et un petit like. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!